Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise. Alors, ça fait quelque temps que j'ai pas joué, retrouvons un peu nos marques. Oui, ça me revient, on avait cassé la tête à Babylone, on avait récupéré Opis, Marie, Shushan. Il s'était fait raser une ville aussi l'Indien, hélas. C'est comme ça. Alors, je vais aménager. Comment osez-vous? Vos actions ne resteront pas sans conséquences. Je lui ai piqué quelques cases là. Je vois qu'il y avait. C'était mon île, il y avait un petit peu de sel en plus, parfait. Ça l'a rendu salé de ne pas avoir de sel. Original ça. Va voir comment on s'entend avec lui. Enthousiaste. Tu m'étonnes, on a défoncé son ennemi. On n'avait pas tout découvert encore en carte. Hein. C'est vrai qu'il y avait l'Allemagne aussi qui était problématique. Et avec qui on s'entendait pas très très bien. Pas très très bien du tout. D'accord, j'avais la recherche, oui. Sur l'électronique en cours pour pouvoir faire des cuirassés. Hop là. Oui. Donc quoi, le sel me rapportera 7 d'or. Bon, c'est 1% de mes revenus, mais bon. 1%. Oui, Gandhi, on va travailler ensemble. Je voulais voir où il y avait quoi en cours. Embargo Babylone, financement artistique. Oui. Embargo Babylone, ça me va. C'est moi qui l'ai mis en même temps. Heureusement que ça me va. Financement, bah. Ou pas. Ok, de l'alu. Toujours pas exploité ces cases. Hein. Peut-être un jour. Ah oui, on avait pris Hormus. Ok, les fusilleurs. Attention. C'est une unité forte. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est ça qui est bien. Oh oui, c'est vrai que c'est ça qui est bien. Et on a juste à choisir nos constructions sur Venise. Oh, ça c'est. Maman de ne pas vous rapprocher de l'Inde, sinon il y aura un orage dans l'air. Rien à foutre. Fais ta vie, toi. Je me rapproche du lin. Du l'Inde. De l'Inde, si je veux. Mais non. Ils ont vraiment fait ça la manquer ici. Je m'entends comment avec l'Espagne? Ça va m'énerver. Écoute, ça l'a manqué, ça va très vite devenir ma ville, hein, à ce rythme-là. Ils sont où en plus? Je sais jamais la couleur. Ici. Et bien? On va partir sur. Adelante. Estáis loco? Une dénonciation. On va ramener quelques navires et puis on va prendre la ville, hein? Qui est clairement là, elle vient clairement marcher sur mes plates-bandes. Allez, je vais prendre 3 de ça. Je vais demander aux fusilleurs de venir. C'est la main qui va tomber. Est-ce que j'en profiterai pas pour lui piquer une petite ville ailleurs? Genre. Genre Barcelone, mais ce sera pour. Là, il va me falloir avant les cuirassés. Elle est bien défendue la ville.
convertir mes frégates sur mon territoire pour les améliorer directement. Et on ira botter les fesses à l'Espagne. Qui s'est clairement dit, oh tiens, ici j'allais fonder une ville. Vraiment juste. Juste au pied de la France. Ouais. De Venise. Bah non. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Une chose de faite et qu'elle est bonne. Ils ont des galéas. Lucarestoise, ok. Des galéas et ils ont des mitrailleuses, ça c'est... Bon, comme tu me diras, moi j'ai des frégates, quoique les frégates ça... Ça pour avoir le Kilimanjaro. Bon après, honnêtement le bonus que donne le Kilimanjaro est vraiment pas mal du tout. 45 de défense, oh. Ouais. Compliqué. Et elle a pas mal de caravelles hein. Tu me diras, c'est un peu son unité quoi, mais quand même. Clame de l'or, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cible hors... cité-état qui est intéressante. Dommage. Du navire ici, lui en... Non, il stationne. Idéologie adoptée, ordre. Ordre alors que j'ai pris autocratie. Tiens donc. On va voir comment ça se passe pour eux. Après, culturellement parlant, j'ai pas une grosse production. Peut-être ça, ça va peut-être venir de là le souci. Je vais regarder. Parce que si j'ai pas une grosse influence culturelle sur eux, ça va pas leur poser problème. Et même c'est l'inverse, si ils ont une grosse influence culturelle sur moi, peut-être avoir des révolutions d'ici de là. Là ça a l'air d'être bon. Alors déjà Victor, ok, dissidente, ça déjà ça me va. Global 1, c'est pas... Il y a que l'Angleterre là qui pourrait me poser problème au niveau culture. Ouais, toujours pas fondé une deuxième ville. Satsuma et Tokyo. Ok, il y a des canons. Film, même vraiment pas du tout pour le coup. Hein. C'est... Oula. Il y a du rouge, hein. Une goutte rouge. Oui, fais-toi plaisir. Je suis pas le premier. Ah, oui, c'est les... Ah oui, mais... Bon. En même temps, vu le nombre de caravelles que j'ai vu passer, tu m'étonnes. Ah, c'est vrai qu'il y avait les... Ah, il y a. Même pas il y avait, c'est il y a encore. Les Mongols. Bon, les pauvres, ils ont plus grand-chose. Ah ouais non mais on a même fondé Santiago là. Alors les foutre dehors une bonne fois pour toutes là.
Raser Santiago, prendre Tolède. Oui, voilà, prendre Tolède, pourquoi aller prendre Barcelone? Tolède juste à côté. Ok, on a une unité qui arrive petit à petit. On a 8 tours avant l'électronique. Genghis Khan. Non. J'ai l'impression que là. Tu t'acharnes un peu, non? L'Angleterre, elle s'acharne très légèrement. Conquistador, fusilleur, fusilleur, tiens, non. Il y a du monde à Salamanque. Bon, si jamais tu veux venir, vas-y, hein, fais. Fais donc. On va le mettre techno, c'est pareil. Alors, voyons voir. Ah. Politique de la canonnière. Plus 6 d'influence. En vitesse standard, par tour pour les cités-états desquelles vous pouviez exiger un tribut. Force militaire 150% plus efficace pour intimider les cités-états. Si vous avez vu le let's play narratif sur la France, c'est exactement ça que j'ai fait. C'est beaucoup trop fort. Pourquoi? Parce que là, hop, je gagne 3,66. Hop, 3,93. Alors lui, il en perd parce qu'ils sont militaristes. Et j'ai plus de mal à faire augmenter. Eux, ils sont un peu loin. Il faut avoir des unités proches en général. Eux, ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc, ce que j'aime bien faire en général, moi, c'est prendre. Faire des. Comment ça s'appelle? Des sous-marins. J'ai des sous-marins et je les emmène à côté. Exactement comme sur le let's play, mais narratif. Panama, ça doit être militariste, même pas maritime. J'ai pas de troupes, c'est peut-être pour ça. Ouais, j'ai pas de troupes sur place, c'est peut-être pour ça. Cahokia, ça marche. Ouais, si. Mogadiscio. Ah oui, mais aussi, je suis pas la première puissance. Et ça. Ouais, là, forcément, avec les trois cités que j'ai. Augmente Bruxelles aussi. Malacca. Ouais, j'ai une petite concentration de troupes ici, donc c'est plus efficace. Et même Prague. Ouais, je vais avoir énormément de cités-états qui vont se rallier là en quelques tours. Hop, tu vas pouvoir te soigner. Ouais, t'as une alerte. Alors, voyons voir. Encore. Ah. J'ai pas envie que ça fasse des pirates en plus. Je vais aller chercher vite fait. Et là, je vais acheter un infanterie. Je vais dire d'aller là-bas. Je vais faire quelques ouvriers. Parce que là, on a énormément de territoire. 103 de défense. Wow. Puissance de la ville, 103. Ah ouais. C'est énorme. Et du coup ça va. Ah. J'ai pas vu qu'est-ce que c'était comme unité. Ah, des missionnaires. Ok. L'Allemagne et l'Inde sont amis. Ah, ça m'intéresse pas ça. Regardez l'argent que j'ai quoi. C'est indécent. J'hésite à développer à fond cette ville quoi. Tellement de manger d'argent à savoir quoi. Moi, ouais, ça doit être ça. Ah, c'est une caravelle en plus.
Ah, attends, ça va piller nos... Ouais, il y a des pierres dans le coin. Acheter ma frégate. Je vais améliorer. Hein. Ok, on a le phare. Hop, ce qu'il faut pour un peu de nourriture. Des remparts. Oh, c'est mal. Base. Et c'est une université, allez. Voilà. Borsipa qui sera. Il sera badass. Là, vu tout ce que j'ai construit dessus. Ok, Vancouver. Fait de la science, c'est bien ça, de la science. L'or, j'en ai pas grand chose à foutre, hein. Je suis vraiment pas ça prêt. Voilà, je saurais même pas dire combien ça me rapporte, mais 25% de la production de la ville en or. Même si j'ai 100 de production, ce qui est improbable, il me reste que 25 d'or. C'est pas très très intéressant quoi. Ouais, il s'est paré par là-bas. Zut. Comment on avait dit la ville ? Production 24. On gagne 5,8 d'or par tour quoi. Et ouais, c'est pas intéressant par rapport à de la science. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'économise un petit peu pour améliorer mon cuirassé. Ah, ça nécessite du pétrole. Ah mais j'en ai pas. J'ai pas trouvé. Ah, j'avais pas vu. J'ai pas fait la biologie ni la réfrigération. Alors que je fasse ça direct après. Parce que là, c'est bien, je fais de l'électronique, mais. Je peux pas faire mes curations en fait. Ah, ça va me retarder. Oh, j'ai pas l'archéologie en plus. Bon, ça va mettre un peu plus de temps que prévu tout ça. Déjà j'ai un marchand illustre. C'est bien. Je sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling sur Québec. J'ai un bon feeling sur Québec là. Ah, alors voilà. Allez, touché coulé. Merci, et je vais aller essayer de couler ça. Enfin, de couler. De raser ce campement. Merci pour monsieur. Ouf, ah oui. Aux archers là, ils ont pas mal d'années de retard. Hop, et je vais refaire venir la frégate. T'as du missionnaire qui se balade. Hein. Lui se balade, mais il n'y a plus grand chose. Hein? Ah, je voyais mal, j'avais un effet. Ouais, je voyais mal, je me disais, attends, comment ça c'est l'Allemand qui a perdu une ville? Non, pas du tout.
C'est pour ça que je comprenais pas, je me disais, attends, comment ça l'allemand il a perdu une ville ici en plus quoi. Bah quoi, tu me diras si. Ouais, mais je me disais, mais attends, mais. Je sais même pas qui était en guerre. Non, non, effectivement, il a pas perdu de ville. Mal vu de ma part. Ah, j'avais pas de port. Ah, pas ouf. En recherche là 32 ouf c'est bon c'est bugué là non parce que ça c'est les routes attends mais c'est quoi tout ça ouais allez. Je t'offre une seconde chance monsieur je sais très bien que je devrais pas. 200 de science juste à venir, c'est propre. Là pour le coup, je commande de production 85, je produis une vingtaine de sciences. Ouais, c'est 10%, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Puis la science surtout, bah. Ça permet entre guillemets de faire dépenser l'or dans le sens où ça débloque de nouveaux bâtiments et ces nouveaux bâtiments, je peux les acheter. Que l'or, bah à part faire de l'or, si je peux pas le dépenser, ça sert pas à grand chose. Principalement à Venise, hein, la dépense, bien évidemment. On va t'en parler d'un campement barbare. Et. Ah. Toi, tu vas aller là-bas. Combien de tours? 12? Eh bah, t'es pas arrivé demain la veille, toi. Tour de porcelaine, ok, on m'en fout un peu de ça. Wesh, mais... Je le regarde déjà, même pas un tour. Bon, faudrait que je fasse le Louvre aussi, les musées, des archéologues, ça va m'augmenter la culture de mon pays, et ça va me permettre d'avoir plus de dissidence. Autre part, ouais, parce que là, les Celtes et l'Angleterre, ils augmentent beaucoup notre culture. On va me laisser faire. C'est vrai qu'après, j'ai que Venise, entre guillemets. Je peux construire des merveilles mondiales. C'est le petit point négatif. Bon, il en faut bien. Erevan. Merci pour l'unité. Regardez. Je suis pas allé avec. Ah, zut. Je suis pas allé avec Bucarest. Ah oui, mais. C'est où celle-là? C'est comme Panama. Ils sont alliés avec les Shoshones, il y en a encore 16. Antananarivo avec l'Angleterre, il en faut 54. 58, pardon. Mogadiscio avec l'Angleterre, il en faut 17. Bucarest 175. Oh la vache, quoi, la lampe pour 67. Ouais, ça va mettre un peu de temps. Mais ça, c'est ce qui est bien, c'est au moins ça retirera aussi de la puissance, on va dire, diplomatique à l'Angleterre. Qui là va progressivement elle devenir moins fort normalement. Ah, des arcs, des arbalétriers. Ça s'embête. C'est costaud en plus. Hop, lui il est revenu, parfait. Tour prochain, on pourra commencer à construire le Louvre, faire des archéologues, faire des musées. Ah, le musée, ça va être bien parce que là. Lui il attend depuis je sais pas combien de temps le pauvre, je sais pas quand est-ce qu'il est né mais... Les barbares? Ok.
c'est ballot parce que j'arrive. Québec a décidé d'annuler la quête. Ouais, mais de toute façon, je mange pas pour t'acheter, donc. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Oui, ça c'est pas faux. Et le vrai passé dont on veut nous faire croire. Embargo sur Babylone, oui, hop. Alors, découvert un site antique ici. 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 J'ai déjà cliqué dessus. Hein. Pourquoi c'est le même? Ah d'accord, ça a mis en double. Bon bah j'ai trois sites antiques, c'est pas fameux. Hein. Attends, c'est clair, c'est que dalle, c'est quoi ce bazar? Ah mais c'est chez moi. Je suppose qu'il y en a d'autres. Ouais voilà, on a un là. Un là, ouais ok, c'est chez moi. De toute façon, on ira chercher ce qu'il faut ailleurs. Il n'y en aurait pas par hasard? Oui, il y en a, très bien. Lui est bientôt arrivé, deux tours je suppose. Ah. Ah. Bon, notre copain, il est plus trop copain et il nous embête. Là, il va nous embêter. Ah oui, mais je m'en fous. Je t'ai même pas embuté depuis je sais pas combien de temps. Pas de dissidence. Opinion publique et... Oh la vache, 63 de bonheur. Eh mais... L'on part, moi. Comment ils ont bouton? J'ai aucune idée de, du pourquoi, du comment ils ont autant. Bon, problème, on s'entendra plus bien avec l'Angleterre bientôt, je pense, vu qu'ils ont adopté l'égalité. Décidément. Comme un barbare, il m'intéresse pas, lui. On va faire une proposition mondiale. Je suppose que... Ouais, ok, embargo, ouais, c'est ça. Ça, ça me sert à rien. Faisons un embargo sur... On va les affaiblir. On va les affaiblir à fond. Et financement artistique, ça donnait quoi? Ok, ça a donné... Ça a été voté comme étant accepté. Ouais, ouais, et... Bah alors, pourquoi ça me demande tous les tours? Et il se rend compte. Ah non, oh, il se refait attaquer lui. Tous les 3-4 matins, le pauvre. Je trouvais votre proposition assez déstabilisante. C'est le but. Totalement le but. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, mes ouvriers? Mais. Vous n'êtes pas des archéologues? Oui, tiens, parlons de ça. Non, archéologue. Je vais acheter le musée, ça ira plus vite. Donc je peux pas acheter les archéologues, je crois. Mais sinon, sinon ça irait. Hein. On achète Québec.
Je ressens un grand potentiel. On achète aussi le musée. On crée un chef-d'œuvre, ça va nous augmenter notre culture. Saint-Georges tuant le dragon. Il est où le dragon? Il est tout petit, il est plus petit que le cheval, c'est quoi ce dragon de pacotille? Ouais. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Oui. On va essayer d'aménager toutes nos... Comment ça s'appelle là, nos chefs-d'œuvre, voilà. Vous savez quoi, on va aménager les chefs-d'œuvre, mais ce sera pour le prochain épisode. Parce que ça va mettre un peu de temps. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt, demain, dans 2 jours ou dans 3 jours, pour le prochain épisode. C'était Thiob.